Thank you.
Thank you.
De sa bouche ne sort que la connaissance et la vérité. Et c'est ce que Salomon a déclaré. Et c'est ce qu'il déclare Salomon dans Proverbe 2. Pour sa mère, ils amènent à la Zambé. Prions le Dieu, le Dieu. Que tout homme a la réconimenteur. En tout cas, soit tout à l'heure le comptable. Dieu seul vrai. Zambé, quand il est solo. Je crois au Dieu qui exauce sa prière. Quand tu as dit que la lumière soit, Amour m'a dit pour les accents. Et pour ma vie, la lumière soit. Il est écrit que pour les accents. Nous sommes fidèles à ma promesse. Tu es fidèle à tes promesses, Seigneur. Même ce qui est Abraham, tu as béni Abraham. Ta postérité et la captivité. Après 4 générations. Lorsque l'iniquité va mourir comme à son corps, ta postérité possédera cette terre. Seigneur, tu as accompli ta promesse. Un jour aussi tu as béni, Seigneur. Un jour, Seigneur, tu as béni. Abraham. De Sarah, nous vous envoie. C'est par Sarah que tu as un fils. Au grand rocher, vous êtes fidèles. Vous savez, mon père, mon ami, vous êtes. Merci à vous, moi, qui n'a deux fois, mais le pauvre. Merci à vous, qui deux fois, mais le pauvre. Mais la parole est là qui est présolide. Mais la parole est présolide. Que l'état et la vieillesse, la femme, n'a pas mal. Que l'état et la vieillesse, la femme. Tu as compris ta parole. Dieu, vous qui savez, mon ami. Vous êtes tellement grand rocher. Vous avez nommé les collègues. Vous êtes fidèles. Vous allez servir. Ou annoncer qui signe la victoire. Tu as bien poussé le signe de la victoire. Au temps des Aïs. Il est vierge, sera enceinte. Et avoir enfanté un fils. Et on lui donnera le nom de mon père. Il a dit à ta parole. Et aussi va lui. Au Seigneur, le Seigneur. C'est pourquoi je t'ai confié sur Dieu. Fidélité n'a eu qu'au sacré. La parole est la vérité. Nazari, vous élevez grandeur, je lève ta grandeur, vous élevez grandeur, glorieux, je lève ta grandeur, vous ici, comme on est les amis à vous, la grande rédaction de Dieu, vous ici, pas la main à vous, la source de vos vivres, vous assemblez, Dieu, Dieu, ta bonne vie, je vais en prier, lorsque tu as appelé, je vais en prier, attends la bonne avant qu'il ne puisse combattre. C'est la fidélité. Parole, ça va se mettre dans le combat pour vaincre. Lorsqu'il se met dans le combat, il va vaincre. Parce que ça saint, nous sommes puissants. Parce que tu es saint et puissant. Tu ne réunis jamais tes paroles. Si toi tu dis une chose, c'est pourquoi je te confesse de Dieu, de ma fidélité. C'est maman, glorifié, Seigneur. Maman, Dieu de toute éternité, Zambia, c'est Dieu de bénédiction, Zambia, qui m'a perdu. Les Dieu saint, glorieux. Zambia, ma boule. Vous allez béni. Parola. Vous allez élevé. Ton vent. Vous allez saber la Kimia. Dieu de paix. Vous allez saber la boule. Dieu de lumière. Puissance au Père des mains. Vous piquez ici à mourir, Jésus-Christ. Moi, mon nuance et mon lignée, pour qu'à la compagne en terre. Et tout descend des ténèbres, le Seigneur nous parle. Bon, la catholique, mon nom est Naïos Abel. C'est pourquoi je confesse la grandeur de Dieu. Oh, sa fidélité à pardonner. Je connais à vous, c'est pour elle, mon Dieu. Maman, Santo Lama, Naïos Abel. Vous êtes tellement mon ennemi, qui s'appelle de rien, mon Dieu, mon ange. Tu es tellement grand le Dieu qui exauce la prière. Et les chrétiens de le pays pour chasser les démons sur mon nom. Il convient le pays pour venir la caméra ma belle coupe. A autant goûter les mérites, ça n'a rien son amour. Oui, en ce temps, tu vas te poser à toute heure. Il pépignon son ambito. A tout vent de suivre. Au déjouer. Attaque n'yon son amour. Tu vas déjouer. Crédilité. Ou terre d'autre. Manque à compréhension. Nous c'est à communiquer à l'ensemble des saints. Tout vent qui vient combattre les églises des saints. Pour déjouer à mon nom puissant de Jésus. Tu vas les déjouer au nom de Jésus. Prions le Dieu, le Dieu. Amen. Puissant de Jésus. Nous voulons mieux et soumission. Nous verrons Dieu et sans effet toute action du diable. Merci, merci, monsieur Zabé, le Seigneur Saint. Pour vent, démoniaque, diable, pour que l'on soit saint. Pression du monde de l'air. Les salariés sont en bindou. Non, c'est ça, vous êtes en bindou. En
Tellement bien ici. Et c'est ça la vie de l'église. La vie de prière.
Il persévérait dans des prières. Dans l'enseignement. Donc, beaucoup de prières. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi je ne pouvais pas commencer l'enseignement sans témoigner les bontés de Dieu. Le Seigneur est tellement. Et aussi par réponse à lui. Par les problèmes que tu as, ne doute point. C'est Jésus qui fait. Les alliés soumets au sang. Ils sont pour quitter la carte, parce que le coup. Nous nous humilions pour les glorifier. Parce qu'ils le méritent. Nous ne sommes rien. Et il faut avoir toujours un dimanche, problème aux amours de vente avec les solutions. Il faut toujours avoir la foi qui a la solution dans ton problème. Donc c'est vraiment ça. Les alibons nous l'ont. Nous autres la texte la mission. Nous lisons notre texte. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Comme est l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'il dit, celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Alors, où est le bimbo de Simi Mizoto Sambona, le bon connu à Moubas. Celui qui marche au milieu de cette chambre d'or. Oya Zaliko Tambola, Katika Tali Peloui, dans sa main rouge. Je connais tes œuvres. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu aies éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et qui ne les sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu aies de la persévérance. Que tu aies souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'aimes pas. Que Dieu bénisse les dieux. Ça ne vient pas mon alitage. Oui, pour autant que ça d'abord que l'enseignement sur les sept églises d'Asie. Nous montrons d'abord que l'enseignement sur les sept églises d'Asie. Les a enseignements doctrinal. Les a dit qu'il a qu'ici à ma cambonne, que c'est que les salles à ma péta. Les autres que ça la vie de l'église. Et cela parle de la vie de l'église. Ceux qui ont veillé dans un haut, et si tu veilles sur cela, tel que le Seigneur l'a dit, le résultat sera que tu seras vainqueur. Donc le résultat sera que tu seras vainqueur, mon loup. C'est comme ça qu'il faut comprendre le monde. Et c'est comme ça que tu dois comprendre les choses que nous disons. Donc, ce qui d'abord dans la carte pour la mission. On avait montré dans notre exposé, la séance la mission à l'obi. Dans notre séance d'hier. On avait montré ceci. Moto Oyo a annoncé la parole vers les païens pour la première fois. La personne qui a annoncé la parole pour la première fois vers le païen. Les apôtres. Pierre. C'est l'apôtre Pierre. Là, tu peux ce qui acte 15 dans le verset 7. Là, on avait donné acte 15 au verset 7. Si Dieu n'a salé qui est parié porte y a royaume du fondement vers nous les nations. Le Seigneur avait fait que par lui Pierre que la porte du royaume puisse être ouverte chez nous les nations. Dans texte au nom de Pesaki. Dans tous les textes qu'on avait donné. Toi ajoutais qui acte 8. On avait ajouté acte 8. Dans acte 7, ton nom qui persécution. Dans acte 7, qui Étienne. On avait vu la persécution sur Étienne. Ma cause y a mort Étienne. Ma disciple, ma panzanaki. Et les disciples s'étaient dispersés à cause de la mort du frère Étienne. Les autres disciples, Wanande, Babandiko, Sakola, Lilouanazam, et Lolingé, Bazaraï, Koutambo. Et c'était ces disciples qui répandaient la parole de Dieu dans leur dispersion. Et Nathan, bon, Bakéi, Néman, la Bazoté. Et lorsqu'ils s'étaient dispersés en train de répondre à la parole, Saul, Oazoné, Maman, Paul. Saul, qui est appelé aussi Paul. Nana, Bomoy, Motema. Il était encore inconverti. Parce que dans acte 9, il avait reçu la lettre des principaux sacrificateurs pour se rendre à Damas et chercher comment à emprisonner les saints de Damas. Donc, celui de Moïne, acte 8, à partir du verset déjà 3e.
Et si nous remarquons vers au chapitre 8 des Actes, verset 3-4, et tu descends, et tu vois comment la parole s'est répandue. Et tu vas remarquer aussi Pierre en écrivant ses lettres. Dans 1 Pierre 1. Dans 1 Pierre chapitre 1. Le verset premier. Le verset premier. La mention toujours, il y a beaucoup au bazar la dispersion. Il fait toujours mention de ceux qui s'étaient dispersés. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, dans le verset premier. Pétero, Thomas, Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Effectivement, vous allez confirmer que les Arakis n'ont pas de juifs. Effectivement, il confirmait qu'il y avait des juifs en dispersion. Bazara qui pour enseigner aussi la parole. Et ils enseignaient aussi la parole de Dieu. Il y a une écriture dans 1 Pierre 1. Pierre confirme. Les fidèles qui provenaient de chez eux à Jérusalem et qui s'étaient dispersés. Il participait à l'aspersion du sang de Christ. Qui sont élus selon la présence de Dieu le bon. Par la sanctification de l'Esprit. Enfin qu'il devienne obéissant. Et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ dans un sacrifice propitiatoire. Mais ceux qui étaient dans l'église de Jérusalem et qui s'étaient dispersés, ces gens-là participent aussi à l'aspersion Yah. Ce texte m'a commis comprendre d'abord. C'est pour que nous comprenions d'abord que l'église est comparée à une maison. Et que l'église est comparée à une maison. Un édifice. En lisant 1 Corinthiens 3, le verset 9, même sous Ephésiens 2, même en verset 21. Ephésiens 2, à partir du verset 20. Verset 21, dans verset 23, lui c'est le fondement. Dans autant d'argent, comme on a Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. En lui, tout l'édifice, n'ayez Christ, n'a confiance, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, ça, on est en train de On est en train de présenter l'église de Dieu. L'église des Ali, l'édifice d'Akoya Mounen. L'église des Ali d'Akoya Mounen. Et ton ami bien. Qui est bien édifié. Dans un texte qu'on entend, c'est que l'église est à la comparer à une maison. Je prends ce texte pour montrer que l'église est comparée à une maison. Mais il faut y voir que dans l'église. Mais tu vas savoir que dans l'ordre. Dans Lévitique 14. Dans Lévitique 14. Attends, c'est à une maison. Où ils ont frappé la lèpre. On montre une maison frappée ou atteinte de la lèpre. Là, on va aller à partir du verset déjà 38e. À partir du verset 38. Ok, maintenant verset 53. Et même jusqu'au verset 53. Il y a Lévitique 14. Et Lévitique 14. On a basé Talissa. Là-bas, on montre la maison. Nako. Où ils ont frappé la lèpre. Où ils battirent au malade à Et Seigneur les a purifiés. Et qui doit être purifié. Purification à Moïse avec deux oiseaux. Et la purification de la maison s'est faite avec deux oiseaux. Des oiseaux, quand vous m'avez oiseau, mon con. On va égorger l'un des oiseaux. Les oiseaux, ce soir, vous m'avez. Et l'autre oiseau ne sera pas égorgé. Les deux oiseaux étaient toujours le Seigneur Jésus-Christ. Et ces deux oiseaux représentent toujours Jésus-Christ. Parce que ça vous termine à 1 Corinthiens 15. En lisant 1 Corinthiens 15, Paul a zoté assis le corps. Et Paul prêchait sur le corps.
représenté langage à corps céleste et à corps terrestre. Attends, ici, tes alliés avancent, tu es à l'icolo PAC. L'oiseau est comme corps céleste. Et n'est tes alliés, tu es à l'icolo. N'est-ce pas la vision que Jean-Baptiste a marqué? Et n'est-ce pas dans la vision que Jean-Baptiste avait vue? Il a vu l'esprit venir sous forme de la colombe. Amoni moli moko kita na lenge benga. En forme d'un oiseau. Na lenge andeke. C'est ça le Jean qui a vu. Les alika kaiwani yemo kudiako. Le Seigneur a tali saka aussi. Il est céleste comme un oiseau. Le Seigneur parle aussi de ce qui est céleste comme un oiseau. Mais pourquoi ils ont deux oiseaux? Mais pourquoi ces deux oiseaux? Les autres, ils aussi que le Seigneur. Et cela représente pas le Seigneur qui a purifié la maison. Qui était venu pour la purification de la maison. Dans, vie, dans sa vie. A manifesté deux corps. Il avait manifesté deux corps. D'abord, tout le monde corps ou mon qui corps physique ou abotama qui n'a pas. Et d'abord, on a vu le corps physique avec lequel il était né. Galates 4, verset 4, il lui. Donc, on parle de Galates 4, 4. Né une femme. Abotami la voix. Né sous la loi. Abotami la sang. Mais ce corps était à la kusumokate. Mais ce corps n'avait jamais péché. C'est qui semblable d'un abissou. Et Kokanakande n'anzotou n'abissou. Mais ce n'était pas le nôtre. Anzotou n'abissou. Nos corps ici pêchent. Parce que sur le tangue, dans le verset 46, parce qu'en lisant verset 46, il y a un livre à 1 roi 8. Dans le livre de 1 roi 8, il y a tout ça la mention Salomon. Salomon fait mention. Là où est allé la maison. En ce qui concerne la maison de Dieu. D'accord, la maison de Dieu, c'est l'image qui si quelqu'un pêche. Ce qui m'entoure Soumouki. A quoi dans la maison. Il viendra dans la maison. A Tiaki mention. Il avait fait mention. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui ne pêche. Oui, tes amis, à mon côté, la sœur Mabéla Zala Kosumouka. Donc, la Mabéla, ou ta sœur. Donc, sur la terre, l'homme ne fait pas. Mais Jésus a son qualité. Mais Jésus n'avait pas pêché. Azali n'a qu'à te verser en la terre. Il n'était pas compté dans ses versets. Il y a l'homme sur terre qui doit toujours pêcher. J'ai montré ça, ma belle, c'est quelqu'un qui a su. Jésus n'a pas péché. Jésus n'avait pas péché. Donc, Azali n'a corps. Donc, il avait le corps. Mais c'était comme un oiseau. Et ça, la quinzote, le corps est indéqué. Et même travailler dans Matthieu 17. Même en venant dans Matthieu 17. La transfiguration. Lors de la transfiguration. Azali, ça est notre corps. Il avait montré notre corps. Ce sont ces deux oiseaux-là. Et ça, il m'a indéqué en la vie. Mais l'oiseau, le corps fait. Mais un des oiseaux doit être égorgé. Et c'est pourquoi Christ devait mourir quand on la chair. Il y a moi la Christ, c'est qu'elle a qu'à mourir. Mais l'oiseau ne soit pas coupé. Mais un autre oiseau ne meurt pas. L'oiseau, on en a comme le sang. C'est cet oiseau-là pour asperger en bon appâchant. Et c'est cet oiseau-là qui va apporter le sang pour l'asperger dans tous les champs. Il y a un mot Paul à mon qui s'est écriture. Il y a un Paul à mon qui dit. Il y a Lévitique 14. Et Lévitique 14. Il est atteint dans acte 26. Alors il a prêché dans acte 26. Savoir que le Christ est souffré. Il va être Christ soit connu quoi. Voilà le verset 23. Au verset 23. Ressuscité des morts. Et que c'est quoi la question? Il annoncerait. Il annoncerait. C'est l'oiseau vivant qui marche maintenant. Mais ces deux oiseaux servent à purifier la maison. Non seulement l'œuvre que font les deux oiseaux. Yaka et pas Christ. Il vient en Christ. Elle dit que vous êtes pur par la parole que vous avez entendue. Alors il vous a dit peut-être la maloba au moyen. Ces deux oiseaux faisant la caca parole. Et ces deux oiseaux doivent être dans la parole. C'est la parole qui purifie. Mais tes ailes l'ont dit peut-être la. Mais il faut y avoir. Mais tu dois savoir si Namidoko va utiliser qui pour la purifier la maison. Parmi les choses qu'on avait utilisées pour la purification. Ah, ça avait qui cèdre. Ils avaient utilisé les bois de cèdre. Cèdre dans les bois à roi. Et les bois de cèdre, c'est le signe du roi. Ah, ça avait qui isope. Ils avaient utilisé les bois de cèdre. Sur le tangina 1 roi 4, verset 33. En lisant 1 roi 4, le verset 33. Isope, mais ça a le dernier des arbres. Oyoyo, Salomon le verra. Isope, c'est le dernier des arbres dont Salomon avait dit. Comme le plus petit. Donc, comme le plus petit des arbres. C'est pourquoi on a mis l'ordonnance à Pâques. C'est pourquoi dans l'ordonnance de la Pâques, le Seigneur le voilà qui pour bon ma première année. Donc le Seigneur était venu tuer le premier né d'Égypte. Alors qui que vous sacrifiez agneau dans chaque maison. Il a dit vous immolerez l'agneau dans chaque maison. Et quand je passerai. L'ange passera la nuit. Mais tant que moi je dois coller caca dans la boutique. Le but est qu'il verra le sang dans les bassins. Le but est qu'à comment la maquilla n'a qu'à tirer. Et il va voir le sang dans les dos. Il doit voir le sang sur les linteaux. Au sang et comme à linteau. Et pour que le sang parvienne au linteau. On utilisait les bouquets d'isolation. C'est là qu'il faut saler la moupique ou y en zéta. Sans qu'ils ont la maison pour la préserver.
côté. Les 100 000 hommes de la maison ne pourraient être présents. Parce que l'ange ne regarde pas les 100 dans les bassins. Pour moi, je leur donne le thème qu'il a dans le bassin. Mais il regarde les 100 dans les bassins. Certains maquillandés dans les bassins. Mais dans le bassin comme dans les bassins, il y a un médiateur. Mais pour quitter le bassin vers le bassin, il y a un médiateur. Il s'appelle Jésus-Christ. Regardez ma Jésus-Christ au monde. C'est des hommes. Pour appliquer les sangs dans la maison. Il y a des intéressants pour que tu qui là n'est qu'un homme les plus petits. Et il y avait aussi les crabes. Les amis qui peinent sur la montagne. Bon, la montagne, sa grâce. Vous parlez de la grâce de Dieu. Parce que tout le monde dans la Genèse 38. Parce que nous voyons dans la Genèse 38. Moi, n'a dit que ça est beau. Les premiers ne voulaient sortir. Ma bébé, c'est le logo. Mais il a fait sortir que sa massage, femme, il savait qu'il va mourir sans monter par le baptisa. Accouchement au difficile. Et cela n'avait pas terrifié les sages-femmes pour dire que c'est un accouchement compliqué. Ils étaient qu'un accouchement compliqué. Elles étaient tranquilles. Parce que c'était que la mère qui était sortie. Parce qu'une échographie n'a pas eu à un moment. Elles avaient leur propre échographie. Ils savaient qu'elle avait deux enfants. La machine échographie n'en était. Là, la machine d'échographie n'était pas encore. Mais lorsque la main est sortie, ça, je suis dit, c'est lui qui sort les premiers. Il a vu la main, il a dit que l'autre est resté à l'intérieur du monde. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait dans sa chambre? Il a pris le fil cramoisi. Et l'a mis dans ses pieds. Et c'est là que cela fait que cette main puisse être. Et le dernier est sorti parce que le câble cramoisi était venu. Et Talis Abaké. Donc c'est la montre. La réduit à Christ en Israël. Oui, il y a Christ en Israël. Et ça dit que puisse vous aider dernier trop ma prime. Afin que vous qui êtes en dernier puisse devenir le prime. Parce que le mot quoi les avons le mot comme moi. Parce que cette main était la main du premier. Le bon, c'est tout un service. La main, c'est tout un service. Mais cramoisi qui est Christ Jésus est venu sous la montagne. Si la montagne est allée, Christ va aider la service. Service envoyé. Donc il est venu sous ses services. Mais ça a changé que le premier va comme un dernier va comme un premier. Mais pour changer que le dernier puisse devenir premier et l'inverse. Ces choses, ils ont été utilisées pour la purifier la maison. Mais il y a des gens qui ont coupé tout le temps. Mais nous remarquons ce qu'on dit dans Lévitique 14. Mais nous remarquons en lisant Lévitique 14. Aspergea la maison na sang sept fois. Basopa makila na ndako mala sango. Pas plus. Sept fois. Taka mala sango. Il n'y a que sept aspersions. Il n'y a que sept aspersions. Dieu n'amène que ce qui est passé. Savez à son qui s'attaque à ma yoleka. Et c'est pourquoi au moins qui est coupable de cette église. Il y a moins de raison de l'église ensemble. Donc parce que le sang, c'est toute une voix. Pour être maquillé, ça dit mon bon bon bon. Qui est parlé du mot du propitiatoire. Ça va, ça va qui colo va Nicolas, mon fini quoi ça nous. Fini quoi ça nous comme béco. Dans le propitiatoire. Tangi, nombre 7. En lisant nombre 7. Dans verset 89. Au verset 89. Moïse on montre comment Moïse entrait dans le très saint. Il attendait la voix de l'Éternel qui lui parlait du haut du propitiatoire. Or, sur le propitiatoire, il y avait du sang. Donc Moïse, les sangs parlaient, quand Moïse parlait. Écoutez les sangs parler où Dieu parlait. Les sangs, c'est la parole. Donc, Matilé, ça dit le mais il n'y a que 7 aspersions. Parce que ça dit pas au parole, mais c'est ça 8 terres. Et non, 8 aspersions. La maison, il faut recevoir qu'à 7 aspersions. La maison, il doit recevoir que 7 aspersions. C'est le délire de comme 7 paroles. Dans un autre langage, comme 7 paroles. Pour la maison. Pour Nanda. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que. C'est-à-dire. Dans tout cela, total et s'accaboyer. Nous montrons ceci. Qui peut exclure des. Tu ne peux pas exclure. Mandeko va travailler à Jérusalem. Les frères qui ont travaillé à Jérusalem. Pour exclure Mamona Katia Baspersion, où ils ont purifié la maison. Il n'y a que 7 aspersions. Alors j'avais posé la question à un frère. Un pasteur grand ami. Montez mon corps, y a ma décorbi, y a voilà. Pierre a raison que ma fidèle et moi nous participons à l'aspersion. Et Pierre dit que fidèle participe à l'aspersion. La somme quatrième aspersion. Je vais poser la question, c'est la quatrième aspersion parce qu'il n'y a que 7. Après, on a tourné encore. Éphèse dans la quatrième aspersion. Après, je lui ai encore posé l'église d'Éphèse dans la quatrième aspersion. Mais au second, il y a oui.
Jérusalem a une aspersion à une source. Si Jérusalem a une autre aspersion à elle. Éphèse aspersion, Smyrne aspersion, Espèce aspersion, Smyrne aussi. Vous continuez, Pergame. Tu continues avec Pergame. Sentir, Sardes. Au comment on a 8 aspersions, verset 8 aspersions à la année. Et tu appelleras 8 aspersions qui n'a pas de verset. Toujours par la langue. Amen. Il n'y a que 7 aspersions. Les amis, parole d'amis. Et nous montrons ceci bien que chaque serviteur, Moussa l'ignore. Dans le ligne à travailler, qui a travaillé, qui seront limites et à grâce aux âmes. Dans la manière dont il a travaillé, c'était selon les limites que Dieu lui avait assignées. Il y a un autre temps qui est dans acte 18. C'est pourquoi on avait vu dans acte 18. Le ligne Paul à comment qui est Éphèse. Comment est-ce que Paul était arrivé à Éphèse? Il a dit Éphèse d'abord les apôtres Paul. Parce que celui qui a d'abord prêché les habitants d'Éphèse, c'est Paul. 18. Tu lis acte 18. Dans acte 19. Et acte 19. C'est lui qui les avait prêchés. Il avait aussi. Il avait aussi demeuré là pendant 2 ans. Acte 19 maison. Là, c'est acte 19 qu'il est dit. Donc, il les a prêché la parole. Il a travaillé. Mais tant que maintenant, Alinga qui a quitté pour la Kokoufa. Mais lorsqu'il allait pour mourir, Azalaki n'a milé à Bengi Bancien. Il était à Milé, il a appelé les anciens. À Nouveli Bangoboué. Il est raté ceci. Et qu'on tombe à Mana Katinabino. Il se levera parmi vous. Il faut bien saisir cette parole, bien aimé. Acte 20. Acte 20. Alubi, dans verset 25, il dit au verset 25. Et maintenant, j'ai le nom de Jésus-Christ. Ah. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, les milliers desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pire du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Après mon départ, des loups criels qui n'épargneront pas les troupeaux. Les loups, ce sont des Nicolaïdes. Bangobolo et Zali, Bahi, Nicolas, Éphèse. Nakatamboka, Éphèse. Paul a prophétisé qui déjà. Et Paul avait déjà prophétisé sur ça. Même du temps de son vivant, à ta natamboka. Lorsqu'il s'adressait aux frères de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit ceci, à partir du verset 13 à 14. À partir du verset 13 et 14. J'ai le nom de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompés. Déguisé en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Il a vu des faux apôtres. Dans son champ de travail. Et même par rapport à temps où Jean Zalaki. Et même par rapport au temps où Jean s'est retrouvé. Parce que selon ma recherche, Jean aussi. Parce que selon les recherches, Jean aussi avait demeuré à Éphèse. Parce qu'il département César presque moustiqué à Éphèse. Parce que l'île de Patmos était proche de la ville de Éphèse. On est là qui est emprisonné. C'est là que Jean était emprisonné. Dans l'île de Patmos. Mais il s'en va, il y a Patmos.
Il a reçu le message pour l'adresser à l'église d'Éphèse, adressé à l'église d'Éphèse, à tous ces saints où il y a tani à. Et ma sainte union sur la terre. C'était des églises qui existaient. Ils allaient qui m'éclaisent, ils allaient qui m'éclaisent. Ils sont recueillis par rapport à mon Éphèse et Tanisaka. Sans c'est à rétrograde. Et si tu veux chercher l'étymologie du mot Éphèse, ça parle de Kozo Kassima. Aller et laisser. Donc, c'est un peu plus petit. Mais la zone amie doit comprendre les textes. Mais je veux plus que nous comprenions les textes. Donc, tous autres nous venons dans la carte d'Éphèse. Mais qu'est-ce que nous trouvons dans Éphèse? Tous autres nous venons dans la carte d'Éphèse. Et nous venons dans la carte d'Éphèse. Que le Seigneur loue ce qui est bien. Mais il condamne ce qui est mal. Mais il condamne ce qui est mal. C'est ça aussi pour un enfant de Dieu. Il y a quoi la paix pour avoir la santé? Ce qui nous trouvons dans la carte d'Éphèse. Si quelqu'un est du bon côté. Et que place aux amis, il y a Zadé. Et que. Là où tu es, lui n'y est pas. Dans une étude, aux a Georges, na Mathieu. Donc, je prends par exemple Georges et Mathieu. On a qui n'a besoin de Bélanie Kamboya Honoré. Tu avais besoin de parler du frère Honoré. Le quoi Honoré ça va rater. Comme Honoré n'est pas avec vous. Le pas bien. Il faut parler du bien du frère Honoré. Tu sais attentivement. Sauf qu'il y a eu. Si Honoré avait réproché. Alors réproche Honoré. C'est ça la recommandation du Seigneur. Il y a combien d'outils de... Ou bien, ou dévoiler ton propre secret. À ton frère avec qui vous entrez. Voilà pour bénéficier dans le royaume. Et là, tu vas bénéficier au royaume des cieux. Ah, nous avons remarqué que ma sainte église Éphèse. Ici, nous remarquons que le saint de l'église Éphèse. Le Seigneur a yébi misala. Les seigneurs connaissaient leurs sœurs. Et ça, mais ça, là, ma bête. C'était pas de mauvaises œuvres. Et ça, mais ça, là, ma. C'était des œuvres justes. Ton travail. Mon salaire. Les seigneurs appellent un travail. Les seigneurs appellent le travail. Et ça, t'es comme ça dans la société. Et ça, ma bête, comme ça dans la société. Non, ce n'est pas mal de travailler dans une société. Mais travail. Mon salaire. Et ça, oh, y a eu ça qui, Marthe, t'inquiète de beaucoup de choses. C'est qu'il avait dit à Marthe, Malatozobi, tout qui s'appelle à ma campagne. Une chose est nécessaire. À quel moment qu'on les a. Marie a choisi la bonne part. Marie a promis les boules à Malat. Donc, Marie, t'as un fou comme les colons à ma colo. Lorsque Marie était au pied du Seigneur, elle travaillait. À sa lèvre, au salaire, au salaire. Au salaire, à Malat. Amen. Donc, le travail que les hommes ont témoigné avant. Le travail que le Seigneur est en train de témoigner. Et ça, la vie, il y a un chrétien. Ils ont dit, bon, moi, il y a mon Christ. Le légué a son défendre la parole partout. Et comment est-ce qu'il défend partout la parole de Dieu? Dans notre pays, dans mon livre. Dans le corps, dans sa chair et en esprit. Donc, Azul, il a que la parole de Dieu s'élève. Il veut à tout prix que la parole de Dieu s'élève. Et que lui puisse. C'est ça le travail. Il y a mon nom, salut, Azul. Azoku t'a été dans ma gamme, ma péché. On ne le trouve pas dans le péché dans ma vie. Le Seigneur a loué qu'à travailler. Et le Seigneur loue ce travail. Que Dieu te bénisse. Amen. Et ta persévérance. C'est pour lui qui pique qu'on a. Romains 5, ils ont expliqué, ils ont dit persévérance. Et Romains 5 nous explique comment vient la persévérance. Aujourd'hui, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Natangi à partir du verset 3. Je lis à partir du verset 3. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, il faut que tu as un temps au Seigneur. Tu vas savoir que quand quelqu'un demande à Dieu dans ses prières la persévérance, il faut que le Seigneur puisse en produire des afflictions dans ta vie. Affliction, ma passe. Ah, voilà. Donc,
Donc c'est que avant créer ma problème, c'est par rapport à ton sujet de prière, le Seigneur peut te créer. Seigneur, donne-moi la persévérance. Cela veut dire que tu demandes les afflictions au Seigneur. Alors, pour créer un problème, alors il va créer des problèmes dans ta vie. Oui, au Zalaké, il faut garder fermeté. Tu dois faire en sorte que tu demeures ferme. Ensuite, tu vois une persévérance. Ensuite, tu vois la persévérence dans ta vie. Chemin à mon air. C'est ça le chemin de la persévérance. Les afflictions. Passe. Parce que vie chrétienne. Parce que la vie d'un chrétien. Jésus a appelé à moi dans Jean 16. Jésus l'a appelé dans Jean 16. Douleur d'enfantement. Qu'au bout, passe à moi si il y a zéro. Donc, pourquoi s'échapper? Tu ne peux pas t'en échapper. C'est ça la vie chrétienne. Il y a mon dévot, mon Christ. Il y a mon dévot, mon Christ. C'est pourquoi, en lisant Apocalypse 12, les grands signes paraissaient dans le ciel. Un grand signe était apparu dans le ciel. Donc, on l'appelle au grand. Mais ça, on s'en rappelle. Comme on l'appelait grand, ce n'est pas une petite chose. C'est tout un enseignement. Et ça a dit la Kissimo Bima. Un grand signe paru dans le ciel. Et les mois monnaies n'étaient pas mis dans le colo. Une femme, enveloppée du soleil. Voilà, t'as mis le colo là-bas. La mienne sous ses pieds. Santa Nassa. Une couronne de 12 étoiles. Mais mon tour à son, il y a mon tour à son. Parce que la ligne des années dit héritage là. Oui, que Santa Nassa dit où là, à moi. Parce que Josué 1, verset 3 et 8. Parce que Josué 1, 3 dit ceci. Et si tu as dit ma tombe là. Là où j'ai posé la plante de mon épée, c'est là qu'on m'a donné un héritage. Et noter l'éclipse, c'était le roi la professeure. Il ne faut pas aller prêcher l'éclipse. Donc, la ligne là c'est l'héritage. Donc Santawana et Zali Bula. Tiens ma colonne héritage. C'est là où la femme a posé ses pieds. Parce que l'héritage là, l'a comparé aussi comme une femme dans Ésaïe 64. Parce que l'héritage est comparé aussi à une femme selon Ésaïe 62. Mais par le fait que cette femme était en travail. Et moi si on a Zala qui n'a pas sa place à faire. Alors ils sont présentés. Ça c'est le fait de l'église. Il y a même des mots ecclésiens. La vie de l'église est allée femme en travail. Bon, mon église est allée, moi, si la papa, c'est assez bien soupe. Il y a une vie à l'église. Et c'est ça la vie de l'église. Le monde est allé sous la puissance du malin. Donc, il est allé assez envoyé à Satan. Il y a le bon vivre. La justice, la parole. Et quand tu vis la justice de la parole, vous allez bien être dans le monde. Et tu ne seras pas en harmonie avec le monde. Tu vas croiser dans un autre endroit. Tu es une fille et que tu cherches un emploi. Et tu trouves une autre femme là-bas qui est directrice et qui veut que tu deviennes lesbienne comme elle. Tu vas homosexuel. Donc, il y a des homosexuels. C'est le monde. Les animaux. Alors, tu vas mon normal. Et il le trouve normal. Et dans d'autres endroits, sont ici que abomination. Et si tu prêches que l'homosexualité des hommes est une abomination, c'est un problème. Et cela te crée un grand problème. Mais vous dites maman. Mais tu dois accepter ces problèmes. Et comment ta persévérance? Et cela va enchanter la persévérance dans ta vie. Ma chaîne, c'est la fiction. C'est ça qui va passer pour la bonne. Et tant que nous avons la persévérance. Et lorsque nous voyons la persévérance, les autres, les salariés, nous devons garder toujours ce qui est juste. Et là, montre comment quelqu'un garde toujours ce qui est juste. Attends, quand on a quand on casse. Même si on va passer dans les afflictions, il faut garder position à parole. Ça veut dire qu'on batte la même chose. Le Seigneur a nous dit l'église de Fès pour la main. Et le Seigneur avait fait des éloges à l'église de Fès pour cela. Il faut que ça la mémoire. Et toi aussi, tu vas être parole. Même le ministre. Attends, pour ça, il y a un Zambé. Et avant, Paul a expliqué Timothée. Timothée 3. C'est pourquoi il expliquait à Timothée dans 2 Timothée 3. Verset 11. Au verset 11. Azotan et Samuel. Il montre ceci. Un prédicateur, même un frère, faut être constant. Un prédicateur, même un frère. Enseignement. Seigneur, le tic à la tête, c'est qu'à l'imoura. La matamansa, mais parce que c'est comme tout est. Dans les choses de Dieu, on ne plaît pas aux hommes. Si qu'elle aille, ce si qu'on aille, il y a le coum. Laisse à Jésus-Christ sa place de gloire. 2 Timothée 3. Avant le verset 10, je donne le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite. Mes résolutions. Ma foi. Ma douceur. Ma charité.
bolingo na ngai ma constance selo lengi na ngai akotika kaka na linakisi mes persécutions ma passe mes souffrances minyoko. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Na papa s'limiter na mitiama ki na mboka Antioche. À Icône? Na mboka Icône. À Lystre? Mais na mboka Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Minyoko nini ngai na nzima kite? Et le Seigneur m'a délivré, m'a délivré de tout. Pekolo akakola ngai na papa siona ne. Donc à tali ce qui parmi les éléments oyoyo azalaki na ngo. Les Paul a montré parmi les éléments qu'il avait, ma caractère maïe le lingena usala usala, ses caractères dans l'œuvre de Dieu, azalaki constant, azalaki kotika la kaka na oyo le lakisi. Un prédicateur faut être constant enseignement. Et c'est comme ça qu'il doit être un ministre de Dieu. Parce que ça salue. Oui, tes amis au pico. Même un fils de Dieu, oui, une fille de Dieu. Attends, on est en Zambie, moi, si tu es en bas. Position à parole. La position de la parole. Gardez à mon combat, il faut la garder, non pas la déjeter. Attends, quand vous avez ma casse. Même si la chose est très difficile. On remarquait que ça me tombe ma casse. C'est que tu remarques que c'est un combat rude. Gardez position à parole. Gardez la caca, l'inima. Le Seigneur a prié. Et le Seigneur viendra. Et c'est ce qu'a loué. Chrétien d'Éphèse. Et c'est à cela que le Seigneur loue les chrétiens d'Éphèse. Il ne flottait pas dans des problèmes. Si la chose est oui, ils disent oui. Que Dieu bénisse. Amen. Et si vous gardez la parole, et si tu gardes la parole, et tu vas souffrir, tu auras des persécutions. Paul a émis ça qui Timothée. Paul avait dit à Timothée. Dans 2 Timothée 3, verset 12. Dans 2 Timothée 3, 12. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Au Goki Kozala, Naesika. Tu pourrais être dans un endroit. Mais au fin de la Lopango Moko. Mais public va tomber. Il y a dans une parcelle remplie d'un public. Ma désordonnée. Des gens de désordre. Ma désordonnée, ça le dit, mais ça n'a pas permis de venir, mais nous ne pouvons pas foutre. Donc c'est lui qui t'est venu, il t'a dit, il faut chercher de la leçon, comme les autres. Il y a un Pierre 4, les autres. C'est pourquoi un Pierre 4 dit ceci. Aussi trouve-t-il étrange dans verset 4. Pardon, ça n'est aucun mot à Bino. Que vous ne vous précipitiez pas avec elle dans le débordement. Dans le même débordement de débauche. Vous sautez dans la bagotte le mango, on a bouqué de nos cigares dans la bicorne. Et il vous calomnie. Pierre, ça n'est aucun mot à Bino macabre. Aux hommes, hein? Comme tu ne te précipites pas dans la débauche comme eux, conséquence de nous, c'est quelle conséquence on va passer au calomnier. A tout malheur, au conseil, ma table. On a gommé mon sang qui m'a coutume. Mais il va t'appeler saint par Ivonie. Mais on garde toujours la constance. Mais on garde toujours la constance là-bas. Il y a les rémunérateurs à confondre à Bissot. Il y a tout à confondre à Bissot. Il y a été à cause de toi. Ce n'est pas celui qui te manque de toi. À confondre à Bissot. Ce n'est pas lui ton rémunérateur. Mais c'est le Seigneur qui m'a confondre à Bissot. C'est un colonne à couper son liquide. C'est très important de garder la parole, quel que soit le problème. C'est très important que tu gardes la parole. Après, la parole. Même si tout le monde te rejette. Yes, on va boire. Jésus-Christ est d'abord rejeté. À son consoler, garde la parole. Il te console, toi garde la parole. Parce qu'il est dans un mot pour paiement. Parce que c'est lui le maître de ton souffle. Et quand tu ne cèdes pas, mais le corps nous a dit qu'on est ticaté. Tu dois être calomnié. Et Seigneur, ma cause est ma calomnie. Tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Mais il faut réveiller ma bouille. Mais tu dois savoir ceci. Aujourd'hui, Matthieu 25. Si tu prends Matthieu chapitre 25. On a dit vierge. Concernant les divers. Non, je vais avoir une portion. Je pense avoir une portion. Et depuis, tout ça soupire. Bangondonion se soumit, balala qui bandima. Tout ça réception. Bangondonion se colombola motote. Ce qui osa la nama vierge, sache. Si tu es du côté de la vie des vierges, sache. Je sais que tout d'abord ça soupire. Mais Bangondonion se balala qui bandima.
Donc cela veut dire, il y a toujours quelque chose dans ma cause à la maison et à cause à la reproche. Donc il y a toujours quelque chose à reprocher dans ta vie par Dieu. Toute. Mais ma mouniance. On sentit que, oui, c'est la grâce. On sentit que Zab a loué. Que le Seigneur a loué. Mais il a toujours quelque chose contre. Ça veut dire que tu as un peu de temps. Tu suis attentivement. C'est à cet endroit-là que tu vas prier pour que tu te réveilles vaincre cette faiblesse. Il faut ce que nous trouvons dans l'église d'Éphèse. Il faut savoir que ce que nous trouvons dans l'église d'Éphèse. Et les frères d'Éphèse ne jouaient pas avec leur salut. Donc, Bazo est prouvé. Ma porte peut m'amener que ma porte en haut va faux. Ma zone est calme, car ma tête peut m'amener que ma porte en haut va faux. La conclusion va venir maman à menter. Et les frères les ont appelés des menteurs. Bon, parce que maman a sali dans ma porte. Ils ne jouent pas avec leur salut. Il faut maman à guerre. Il faut qu'ils voient. Malakisi, oh, les gens conformes à la méditation. Ils doivent voir que ces enseignements sont conformes aux saintes écritures. Tu ne peux pas jouer avec un frère de l'église de Fès concernant l'enseignement. Non. Lui veille plus de ses côtés. Et ceux qui enseignent mal, l'éternel les appelle ici Batomabé. Fausse interprétation de la parole. Tu n'as pas supporté les méchants. Yo me mis la moté ma tête par ton abé. Ton mouton a sauté à ma bé, a mingi yo te à ta mouké. Un serviteur qui prêche mal ne t'aime pas même une seule seconde. Bonsoir, maman. Amen. A mingi yo te. Il ne t'aime pas. Parce que les salis, les amis, dans l'enseignement. Oui, t'es le pire qu'on aurait sali dans l'Ibakissi. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce que tu dois comprendre. Donc, ce qui est en cas de notre temps ici d'abord, c'est qu'il était cette église d'Éphèse. Donc, on a montré l'église à Wesa qui nous a dit. Et ça, dans les cambons, ça va se louer dans la carte de notre. Il y a des choses que le Seigneur loue parmi eux. Ces frères-là ne jouent pas avec leur salut. Parce que les salaires ne sont pas des prédicateurs. Oui, tu le dis que y'a quand même ça. Il faut que les locaux de Bazo soient conformes à la parole. Il faut que ceux qui ressortent soient conformes à la parole. Ce qui m'apôtre et ma prophète Bazo rejetés d'abord. Si les prophètes et les apôtres les rejettent, ils jamais quoi prier. Et aussi ne peuvent jamais la prier. Et ma oyeux, Bazo, ça l'a trouvé comme faux apôtre. Et les serviteurs qui sont trouvés comme les faux apôtres. Bazo finit toujours être apostat. Bazo, Bazo, souka la boutique à Kodimé, il a qui s'est passé. Donc, ils vont abandonner le frère. Bonsoir, Namalan. Amen. Suite, Namalan, il s'agit que Judas est allé en son lieu. Et leur suite, c'est comme Judas qui était allé en son lieu. Bonjour, Namalan. Vous suivez attentivement. Donc, on a dit vraiment pour faire une histoire. Je n'aimerais pas m'asseoir sur les histoires. Mais la donne, il m'a mis à comprendre ce que Dieu est en train de parler ici. Mais beaucoup plus comprendre la parole de Dieu dans cette époque. Voyez que Dieu a loué et l'autre est malin. Savoir que Dieu loue ce qui est bien. Donc, Dieu aime Moutoyo à garder constance. Ça vient à dire à Moutoyo à ce qu'il y a un canal ici. Donc, à ce qu'il y a un canal ici. Donc, il ne veut pas s'égarer loin de l'enseignement. Azo soutenir et l'autre pour Ezali écrit. Il soutient quelque chose parce que c'est l'écriture. Dans les écritures saintes. La carte s'est que c'est la parole. Il voit que c'est la parole de Dieu. Et Azo la persévérance pour la vie éternelle. Et Azali n'a pas eu pique pour la bonne. Parce que nous avons la persévérance pour avoir le mal. Et notre peut être persévérant pour avoir le mal. Or la persévérance, il faut produire l'espérance. Il y a gloire. Nous avons des qui piquent le Seigneur et pour te liguer à Dieu. Oh, l'espérance, les amours, à son mon athée. Nous avons des liguer les amours, à mon athée. Vous avez un moment? Amen. L'espérance, en réalité, c'est pour le royaume. Donc, l'espérance, c'est pour la vie éternelle du royaume. Quand nous avons persévéré, lorsque tu persévères, la première chose, les amours, c'est à la côté de ma soeur qui est son voyage en année tout là. La première chose, c'est de rester debout, que tu sois enlevé lorsque Jésus viendra. C'est la parole, dans la persévérance. Pour que l'espérance soit manifestée. Pour que l'espérance soit manifestée dans ta vie. Et cette nature est une bonne nature pour les gens. Et il faut y aller.
Et tu dois savoir que si un serviteur est vrai, tu puis savoir qu'il est vrai. Vous voyez, pas serviteur quand aux hommes on a les actes et la parole. Non, tu vas savoir un vrai serviteur par les paroles. Il faut que les actes aient prêché aussi. Ça va être ce qu'il était. La parole aussi prêchée. Et il va arrêter. Tous deux on a été ensemble pour le royaume. Il a connu son ami Balé, Tambola pour la beaucoup de Zambé. Tout le monde a respect et enseigné. Que nous voyons le respect de l'enseignement. C'est très important. C'est très important. Autrement, la montée, Azana, cher, rien à côté. Tu vas voir un serviteur qui est dans le monde. Tu vas aller trouver là-bas dans l'établi de Paris Foot. Tu peux pas jouer avec mon âme. Il faut avoir l'esprit bien disposé quand tu fais l'œuvre. Il faut être bien disposé lorsque tu fais l'œuvre de Dieu. L'œuvre, c'est un combat. Vous voyez, des amis qui tombent. Les âmes ont délivré par tes voisins la ténèbre, par contre, la lumière. Et quand on l'a dit, la lumière, par contre, la peau de la mort. Et là, il y a un moment où tu es dans la distraction. Quand tu es dans la distraction de Paris, le peuple est vos amis. Quand est-ce que le peuple sera délivré? Autant la journée, mon bimba, tu passes toute la journée. Aux femmes des esprits, Canal Plus. Tu es toujours devant Canal Plus. Oh, mon terre, il y a un retard d'église. Un serviteur qui vient en retard. Mais ceux qui marchent, ça. Mais s'il y a un match, aux femmes d'avant, il va laisser avant le coup de sucré. Il a besoin de commentaires. Il a besoin de commentaires. Là, on va montrer des images à nous. Soit avec une joueur. Image à nous, avec une joueur. À santé, il dit que la paix soit avec vous. Que Dieu te bénisse. Ça vient pas pour et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la paix du Seigneur nous couvre à l'ennemi. Et que la paix du Seigneur te préserve. Je ne sais pas pour qui c'est là où l'âme a fait de l'eau en zéla. Que le Seigneur t'a compris ses merveilles et ouvre les champs. Ose à la là. Ma oyo, zamazo témoigner ma cambatitoko. Que tu sois comme cela. Que le Seigneur témoigne des bonnes choses dans la chair. Ma oyo, zamazo persévérer. Ceux-là qui persévèrent. Ma oyo, zamazo zonga simate. Voilà ma problème à ma bébé. Ceux-là qui ne rétrogradent pas à cause des problèmes de la terre. Zamazo garder position à parole. Parce que ça dit qu'on bat la l'animal. Et donc, on se fait conforme à la parole terre. Si la chose n'est pas conforme à la parole, il faut rejeter. Tu dois la rejeter. L'enseignement mais ça m'a bé. Il a qui n'est pas bon. Il ne faut pas le recevoir. Il ne faut pas l'installer. Parce que cela va te tuer. Que la paix du Seigneur soit dans mon cœur. Que la paix du Seigneur soit le papa de chacun. Amen. Amen. Tu peux te dire quoi?